Bonjour tout le monde, ici Orphea 2012. Je suis sur une nouvelle map que je viens de générer. Je ne vais pas faire une nouvelle aventure en mode survie, je ne vais pas faire de la construction non plus, mais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc maintenant, la foire aux questions est finie, maintenant c'est la foire aux réponses. Donc là, je suis arrêtée sur une maison de sorcière. J'y ai passé la nuit me disant que peut-être une sorcière allait arriver, mais non, je n'ai vu personne. Par contre, il y a du brouillard derrière, et on va aller se promener sur la map, mais d'abord, il va faire nuit. Et comme j'ai pas trop envie de me balader de nuit, parce que pour les images, c'est pas terrible, on va d'abord se coucher dans la maison de sorcière. Ouais, j'ai déjà un lit. Allez, parti. On va se coucher là. Oh, la première fois que je vais dormir dans une maison de sorcière. Oh, super. Oh, ben non, on peut pas se coucher. Fait pas. Oh. On voit bien le soleil. Je casse un peu. Hein. La sorcière m'en voudra pas à bracadabra et elle pourra en remettre des planches. Allez, on se couche. Ouais. Ah, allez, maintenant, on décolle vers l'infini et au-delà. Ou pas. Voilà. C'était difficile. Donc, c'est une nouvelle map. Je me suis déjà promenée un petit peu dessus, histoire de voir s'il y avait des choses à visiter, des choses à découvrir. Et surtout pour aider l'image à télécharger, parce que c'était un petit peu difficile. Donc, allez, on commence. Première question. Peux-tu nous donner ton nom et ton prénom? Alors, non. Oh, vous allez me trouver vache, mais dans cette vidéo, vous allez voir, je vais pas répondre à grand-chose. Je vous préviens direct. Mon prénom, je le garde pour moi. Lucille l'a déjà vu. Je l'ai déjà dit sur une vidéo. Peut-être quelqu'un avec qui j'ai tourné aussi. Mais... je ne donne pas mon prénom. Et puis mon nom de famille, je vais pas vous le donner non plus. Parce que bah, le nom de famille, ça se dit pas sur internet. Faut pas. Voilà. On s'amuse pas à donner son nom de famille comme ça. C'est quand même quelque chose de entre guillemets personnel. Alors. Oh, j'adore. J'adore le 1.7.9. Parce qu'on a des biomes avec des champignons géants. Et j'adore, j'adore, j'adore. Moi, je suis une cinglée du biome champignon. J'adore le biome champignon. J'en cherche et j'en trouve pas. Et je me demande si ça existe encore, d'ailleurs, les biomes champignons. Maintenant qu'on a des biomes forêts avec des champignons géants dedans. Je crains. Waouh. Une grotte. Ouais. Attends, je vais prendre la lumière. Qu'on voit clair quand même, parce que là, sinon, c'est pas top. Déjà que je me promène avec mon lit dans la main. Alors, normalement, il n'y aura pas de monstre, parce que je l'ai créé en mode créatif. Donc, la map. J'entends quand même des chauves-souris. Ah ouais! Il y a une paire de chauves-souris, là. Hop. Alors, peut-être allons-nous entendre un petit peu Violette qui chante. Et lui... Oh, la pauvre petite fleur, qu'est-ce qu'elle fait, là? Et puis, Lucie aussi, qui va peut-être raconter des trucs une fois de temps en temps, parce qu'elles sont toutes les deux avec moi. Tu vois les chauves-souris, Lucie? Oui. Elles sont noires, noires, noires. Ah ouais. Toc. Bon. Ah oui. Ah oui, elles ont pas une belle tête quand même. Ah bah les chauves-souris, physiquement, c'est pas l'animal le plus beau du monde, hein. Ah, t'as vu? Hop. Allez, parti. Hop. Bon, ben on va peut-être pas rester là pendant 9 ans non plus. Allez, on remonte. Oh, dis donc, j'étais descendu profond, ouais. Hop là, nous voilà, nous voilà.
Et là, si je reviens là un jour, si je garde la map pour faire une aventure en mode survie, paf, direct, je vais me foutre la gueule dans le trou. Et tomber dans la grotte. Alors, on m'a demandé aussi à quoi tu ressembles. J'ai trouvé que la phrase était tournée quand même étrangement. À quoi tu ressembles, voilà. Donc moi je suis un humain, j'ai deux bras, deux jambes, une tête, des oreilles, un nez, une bouche, normale quoi. Version fille, si voilà, si ça peut vous renseigner un petit peu. On m'a demandé, peux-tu nous montrer ta tête? Alors non. non, parce que je vois pas l'intérêt du tout de montrer mon visage sur une vidéo ou quelque part. Voilà quoi, ça n'a pas... Certains savent à quoi je ressemble, parce que je les connais dans la vraie vie, ou alors il y en a des petits malins qui se sont amusés à faire des recoupements sur Internet et qui doivent savoir à quoi je ressemble. Toutefois, non, je ne montrerai pas ma tête... Oh, encore une grotte! Je ne montrerai pas ma tête là parce que je vois pas l'intérêt. Et puis, il y a énormément de youtubeurs qui n'ont jamais, jamais, jamais montré leur visage. Moi, je ne dénigre pas, mais j'ai que 1000 abonnés. Je suis quand même une toute petite youtubeuse avec des vidéos pas toujours méga top. Ah la vache, j'ai eu peur, je me suis demandé ce que c'était au fond. Lucie, elle dit, il y a peut-être beaucoup de trous. Ouais, je pense aussi. Je brûle, je brûle, je brûle. Et il y en a beaucoup. Il y en a certains. Moi, je suis des personnes. Je suis Balrog, par exemple. Tiens, pour en donner un. Il a jamais montré sa tête. Bon, d'accord. Eh ben, on remonte encore. Non, puis je vois pas l'intérêt, franchement. Ça va faire quoi de plus ou de moins? Il y en a un, il m'a dit, ouais, mais le jour où on te verrait, on pourrait plus t'apprécier. Ouais. Ah ben... Non. Non. Qu'a dit Lucie? Lucie, derrière, a rajouté, non. Non, 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 j'ai pas envie de montrer ma tête comme ça. Peut-être un jour, à coup de folie. Ou alors si vraiment je deviens méga célèbre, quoi. Vous me verrez peut-être aux informations et tout. Je rigole, je dis ça parce que... je dis ça en rigolant, mais en même temps... je ne sais pas si vous connaissez Gus DX. Eh bien, Gus est passé au journal d'M6 il n'y a pas très longtemps. Et du coup, même s'il n'avait pas voulu montrer sa tête... Eh bien voilà, comme il est passé au journal d'M6, eh bien il a montré sa tête à tout le monde. Sa tête, sa voix, enfin sa voix, normal quoi, on parle sur YouTube généralement. Mais... Donc voilà. Bon bref, on va pas faire 15 jours là-dessus, ma tête c'est non. est-ce que j'ai Skype? Oui, mais je le donne pas parce qu'il est jamais allumé, donc ça sert strictement à rien. Cette question-là, en plus, quelqu'un m'a demandé comment on faisait pour discuter avec moi. Eh ben, on m'envoie un message sur YouTube et puis je répondrai. Pas de problème. Discuter en vrai, non. Parce que je vais sortir l'excuse habituelle, mais qui n'est pas une excuse du tout. J'ai over pas le temps. Je suis méga surbookée du matin au soir, du soir au matin. Le matin, je me lève, je me dis, tiens, on va bientôt se coucher. Et en fait, oui, le soir, je me couche et je dis, putain, j'ai hâte de me lever. Les journées passent méga vite avec un bébé de 7 mois maintenant, avec une grande fille de 6 ans et demi, une maison, tout plein de choses à faire. Enfin bref, les occupations, boulot et tout et tout et tout. Donc, non. J'ai vraiment pas le temps, c'est pas la peine, mon Skype n'est jamais allumé, donc il est allumé une fois de temps en temps quand je tourne des vidéos avec Marc Phoenix. Et si jamais quand je vais sur le serveur de la team, un ami me demande de brancher mon Skype, je le branche. Ah, je brûle encore, mais je brûle, je brûle, je brûle.
À la limite, je vais l'allumer, mais voilà. Il n'y a vraiment pas grand monde qui a mon adresse de Skype, ne soyez pas jaloux. Oh, ben d'accord. Ah ben, on remonte encore. Enfin, si j'arrive à remonter, c'était pas dit, ça. Je mets beaucoup de lumière, hein, parce que si je revenais, je suis foutu de tomber dedans. Donc, voilà. Donc, tant qu'on est dans le matos, on va parler de... qu'est-ce que j'ai comme logiciel de montage? J'ai pas de logiciel de montage. Bon, on va arrêter. Ah ben, j'étais descendu là déjà. J'ai pas de logiciel de montage. Je fais les montages. Oh, en même temps, ce que je fais comme montage, c'est pas. Voilà quoi, c'est pas sincère. Hein. C'est pas avec ça que je vais avoir un Oscar un jour. Je gère juste avec YouTube quand je télécharge la vidéo. Après, on peut introduire des images avant la vidéo, après la vidéo, des captures d'écran, mettre des mots. Un jour, j'ai fait une vidéo avec Lucie, j'ai mis des petites phrases avant, et puis voilà quoi. C'est pas du grand cinéma que je fais. Avec quoi je filme, donc ça c'est les montages, oui, avec quoi je filme, Fraps, j'ai acheté Fraps il y a 2 ans et demi quand j'ai commencé à faire mes vidéos, et un désert, j'adore les déserts, quand j'ai commencé à faire les vidéos, et ça me convient parfaitement. Une fois de temps en temps, il bug. Il suffit juste pour que ça refonctionne correctement que je change la touche sur laquelle j'appuie pour enregistrer. C'est-à-dire qu'au début, j'appuyais sur Z, après j'ai appuyé sur F8, après j'ai appuyé sur F, après j'ai appuyé sur L, et maintenant j'appuie sur 8. Voilà. Et aucun problème. Tiens, Lucie, il y a un L. Dans le sable, t'as vu ça? Hop. Ah ben on va se coucher sur le L, tiens. Hop là. Ah. Pendant que je dors, je vais lire les questions. Donc voilà, j'utilise Frops, mais monte là ta panse. Oh là là, j'ai du mal là cet après-midi. Et puis on m'a demandé si j'allais faire des vidéos IRL, étant donné que je veux pas montrer ma tête. Je risque pas de faire des vidéos IRL. Waouh! C'est géant! Voilà! T'es parti en vacances cette année? Bah non, comme d'habitude. Mais par contre, qu'est-ce que je fais comme château de sable? Ah là là. Oh, il est tout seul, abandonné de tous. Voilà. Donc oui, non, des vidéos IRL, j'en ferai pas. On m'a aussi proposé plusieurs fois si j'avais besoin d'une bannière, d'un skin, d'une miniature, etc., etc. Pour l'instant, non, parce que je gère moi-même et puis avec Marc Phoenix. Si un jour j'ai besoin, je ferai appel à vous sur YouTube. Je ferai une vidéo en demandant un coup de main. Et je serais ravie que vous soyez 1, 2, 3, 4, 50 à me proposer votre aide. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour l'instant, non, j'ai pas besoin. Mais on sait jamais. Hop, je regarde un petit peu s'il n'y a pas quelque chose de marrant. Je me suis déjà baladé sur la map. Je suis arrivé pas loin d'un désert et paf, direct, il y avait un temple. Oh, j'adore les temples du désert. Mais j'ai pas filmé la visite du temple parce que vous allez dire oh, encore un temple du désert. En fait, oh, t'abuses. Ouais, mais j'adore. Allez, encore une paire de questions et puis après je vais arrêter parce que Violette dort ou pas? Violette dort, super. vous m'avez demandé mon âge. Alors précisément, je vais pas vous donner mon âge. Par contre, je vais vous donner un ordre d'idée. J'ai la trentaine. En même temps, vous allez pas être... Ah la vache, ça fait... J'avais du mal à tourner, dis donc.
En même temps, vous n'allez pas être étonné d'apprendre que j'ai la trentaine, parce que j'ai deux petites filles déjà. Je vous ai déjà parlé que j'avais travaillé dans certains endroits, dans des vidéos anciennes, j'ai déjà parlé de mon ancien travail, de mes activités, de mes occupations. Voilà quoi, je suis pas. J'y voilà. Après, eh ben là, j'ai presque fini ma première page de questions. Et vous m'avez demandé qui est ton plus grand fan. Est-ce que je vais vous étonner en vous disant que mon plus grand fan, c'est Marc Fénix? Je ne pense pas. Alors, qui est Marc Fénix? Marc Fénix, dont je parle souvent sur YouTube, c'est donc mon amoureux. Et nous sommes ensemble depuis un petit paquet d'années maintenant. Et nous avons ensemble deux petites filles. Et c'est lui le premier qui voit mes vidéos. C'est avec lui que je tourne des vidéos. Donc de toute façon, c'est lui mon plus grand fan. Et puis, vous pouvez pas lutter, les amis, c'est pas possible. C'est lui mon plus grand fan, point barre. Ah, attends, c'est bizarre ça là-haut. Remonte, remonte. Remonte, j'ai dit. Oh. Waouh, c'est beau, la cascade derrière. Oh, ça fait super beau. Et donc, à ce sujet-là, pour tous ceux qui se demandent quand est-ce qu'on va. Alors, attendez, je recommence du début. À ce sujet-là, nous avons créé une chaîne commune, tous les deux. Donc, ma FAQ sera diffusée sur ma chaîne et sur notre chaîne commune. Et sur notre chaîne commune, à tous les deux, nous avons commencé une aventure en mode survie sur la map l'île au trésor. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by parce que on s'en sort pas. Voilà. Quand je vous dis qu'on n'a pas le temps, c'est hyper difficile. Marc Fénix, il travaille à la maison. On a beaucoup, beaucoup d'occupations avec le boulot de Marc Fénix, avec tout plein de trucs. Et donc, on va reprendre, parce que voilà. Mais promis juré, d'ici à avant la fin de l'année, on aura refait au moins un épisode. On a perdu la map. Donc, on a perdu la tombe de Raymond. Pour ceux qui ont suivi, on avait la tombe de Raymond. Et là, pour l'instant, on essaie de survivre sur la map tout en cherchant les trésors. Et surtout, 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 on essaie de savoir où était la compagne ou le compagnon de Raymond, parce que il s'est pas enterré tout seul, le pauvre cadet, donc il y a des chances pour qu'on le retrouve peut-être un jour, on verra. Qu'on retrouve quelqu'un sur la map, parce qu'on n'est que tout seul, hein. Bon, d'accord, on a des champimeux, on a des meux, on a des cochons, on a des coin-coin. Non, on n'a pas des coin-coin. Ça manque, on n'a pas assez d'animaux sur Minecraft. Si quelqu'un de Minecraft ou compagnie regarde, on aimerait bien avoir des autres animaux dans le Minecraft de base. Et sur ce, je vais arrêter parce que la vidéo, elle va être un petit peu longue. Et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Allez, à plus tout le monde. Et merci de m'avoir posé autant de questions. Merci, merci.